Harriet Bannon. Maman, c'est Mark. Marky, tu vas bien? Où es-tu? Désolé de ne pas appeler plus souvent. On est un peu loin de tout. Mais où es-tu? Je suis plus en France. Earl est dans le coin? Et il est parti chasser le lapin avec Franck et Emmett. Mais dis-moi, Mark, comment vas-tu? Vraiment, tes lettres, elles... J'aimerais pouvoir rentrer à la maison, maman. Je pensais pouvoir faire des choses utiles. Des choses dont papa aurait été fier. Mais je fais que des trucs stupides. Écoute, je suis fier de toi, mon cœur. Et je suis sûr que ton père le serait aussi. T'as pas à être fier de moi, maman. J'ai fait des choses terribles. Des choses vraiment affreuses. Je suis sûr que tu n'avais pas le choix, Mark. Je sais pas, maman. Et... Earl boit toujours quand il va à la chasse? Il a... Un peu. Mais merde, t'avais promis de le quitter s'il recommençait à boire. Mark, c'est pas facile. Où veux-tu que j'aille? Je sais pas, n'importe où. Ce fils de... C'est mon mari, Mark. Ok, maman, c'est bon. Je dois y aller. Je dois tuer d'autres rouges pour que Earl soit fier. Fais attention à toi. Mark? Nous étions à peine sortis de la zone dangereuse que nous avons reçu l'ordre de nous diriger vers le nord jusqu'à la côte pour y trouver un chantier naval soviétique. Les informations récupérées dans l'avion espion semblaient indiquer que plusieurs sous-marins nucléaires s'apprêtaient à appareiller, un plus grand nombre que d'habitude, comme si quelque chose de spécial se préparait. Les huiles semblaient avoir décidé que, puisque nous étions déjà dans le secteur, nous allions aller y faire un tour pour détruire autant de sous-marins que possible avant que les défenses soviétiques ne puissent réagir. Je crois que le colonel avait participé à ce plan également. C'était bien son genre de mission. Prendre l'ennemi par surprise, semer le chaos, et déguerpir avant qu'il ne comprenne ce qui s'était passé. Une fois encore, nous allions nous retrouver derrière les lignes ennemies, seuls et sans renfort. Presque la routine. Non loin de Mourmansk, 17 heures, deux semaines avant l'invasion. On arrive sur le radar. C'est dégagé. Vérifiez votre altitude. Ok. Les Rangers norvégiens indiquent qu'ils sont en train de ravitailler, ce qui nous donne un temps précieux. Ces sous-marins doivent être détruits. 30 secondes. Et pas de conneries aujourd'hui, je parle pour vous, Bannon. Vous m'avez entendu? On va se poser. On y va dans 10 secondes, allez, mettez-vous en place. Eagle 6 à toutes les unités. Chaque seconde compte. Capturez ces sous-marins avant qu'ils n'appareillent. Parker, vous prenez le plus proche. Nous devons les fouiller pour rechercher des documents importants. Et après, on les détruit. Capitaine Bannon, vous avez le deuxième sous-marin. Frayez-vous un chemin et assurez-vous qu'il ne file pas. Oui, mon colonel. Et ne merdez pas cette fois, capitaine. Compris, mon colonel. On verra tout à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va reprendre là, on s'était arrêté la dernière fois. Parker, l'OTAN nous envoie un soutien aérien. Ils ont des bombes guidées par laser, parfaits pour anéantir ces bunkers. Vous pouvez les contacter sur le canal des tirs de soutien. Eh, on rentre tout de suite. Parker, dites à vos hommes de garder l'œil sur les snipers. Chargez à ça, on a verrouillé la cible, commandant. Hit chargé, j'attaque, let's go! Ce véhicule nous tire dessus, je tire à hit! On y va tout de suite, commandant! Donc on reprend, on s'est arrêté la dernière fois, c'est dire. Avec le temps. On bouge hostile à portée! Le temps dans l'air hostile ciblé, j'ai quelque chose hostile à portée! Hit tiré, chargé, pied en avant, on bouge! Eagle 6, Eagle 6, j'ai des hélicos russes qui larguent de l'infanterie partout. Leurs RPG vont faire des dégâts à mes blindés. Ici Eagle 6, d'où sort cet hélico? J'arrive pas à les écraser, c'est sûr. Bannon, au rapport. Nous essayons de passer, mon colonel. Mais la résistance est plus farouche que prévu. Je ne veux pas savoir, Bannon. Battez-vous et passez. Maintenant.
Bon, bien évidemment, tout ce que je fais péter, c'est plus pour le fun. Hein. Cognac, je décolle avec du napalm. La première chose à faire dans cette mission, c'est de détruire les trois bunkers. Excusez-moi. Et vous verrez qu'une fois détruit, ce serait grandement plus tranquille, parce que dans les bunkers, c'est bon travail, Parker. Retranchez-vous en attendant les sapeurs. Donc là, on a un petit temps mort, on va en profiter. Alors, rien d'autre mission, c'est bien évidemment de détruire quelques sous-marins russes de classe Typhoon. Sous-marins extrêmement connus, étant donné que c'est les sous-marins considérés comme les plus grands au monde. En tout cas, à cette époque-là, je ne sais pas si actuellement il y en a des plus grands. Étant les plus armés et surtout les plus terrifiants. Parfait, Parker, bon travail. Les sapeurs ont pris du retard, mais ils m'assurent qu'ils seront bientôt là. Ici Delta 6, le deuxième sous-marin est en train d'appareiller. Je répète, le deuxième sous-marin est en train d'appareiller. Vous n'êtes qu'un incompétent, Bannon. Il ne reste plus qu'un sous-marin. Parker, allez capturer le dernier sous-marin avant qu'il parte. Contournez Bannon et ne vous arrêtez pas. Eagle 6 terminé. Ah, un sous-marin est parti. Ici Delta 6, mes hommes signalent une importante colonne de chars soviétiques qui se dirige vers le chantier naval. Ils vont probablement nous tomber dessus depuis le quartier résidentiel. Bannon, j'ai de nouveaux ordres pour vous. Ici, Bannon, répondez. Ici Bannon, on vient d'éliminer le dernier défenseur. Et il était sacrément temps. Allez dans le quartier résidentiel et installez-vous en position défensive. Ivan ne doit pas passer tant que nous n'avons pas détruit les sous-marins. C'est clair? Très clair, mon colonel. Je répète, Ivan ne doit pas passer. Tenez à tout prix. Eagle 6 terminé. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, ce sous-marin Typhoon. Ici Delta 6. Mes hommes signalent une augmentation de l'activité dans une base d'hélicoptères située à l'est. Ils embarquent des hommes dans des hélicoptères de transport. Ils vont nous harceler jusqu'à ce qu'on les neutralise. Parker, localisez la base et détruisez ces hélicos. Il faut deux frappes en fait de... Les ordres nous tirons sur l'ennemi. Joli tir. Char détruit. Excellent tir. Continuez. Bien compris. Appuyez sol en approche. Encore les sous-marins Typhoon sont les sous-marins les plus grands au monde jamais construits. Et bien évidemment, ces sous-marins sont autour de l'idéologie soviétique pour construire la plus grosse arme possible. Excellent, lieutenant. Vous nous avez évité bien des ennuis. Et surtout, en plus de bien démontrer la doctrine soviétique, ils peuvent transporter un nombre de missiles nucléaires et missiles balistiques standard assez important comparé aux sous-marins présents du côté OTAN. Ici Eagle 6, à toutes les unités. Nous avons étendu notre périmètre et développé nos positions. Continuez de mettre la pression. Eagle 6, terminé. Et ces sous-marins, bien évidemment, transportent une bonne partie d'armement nucléaire soviétique. Hein. Et démontrent bien encore une fois que la guerre est toujours dans l'esprit des soviétiques, hein, un peu une idée de revanche, entre guillemets. On va le réparer, commandant. On est paré à rouler. Bon. Là, on vous fait ça. Coordonnées de périmètre reçues. Donc voilà. Le Typhoon mouvement, je savais que je pouvais compter sur vous, Parker. Bon travail. Je vous envoie les sapeurs. Tenez la position jusqu'à ce qu'ils terminent la fouille et le sabotage du sous-marin. Donc, si vous intéresse, vous regarderez un peu sur internet le Typhoon. Hein. Des ordres pour notre panzer. Bon, je vais pas trop m'étendre dessus, parce que je m'y connais pas trop en sous-marin. Ici, Bannon, c'est de la folie. Tout le monde nous tire dessus au RPG. Alors établissez une protection pour le périmètre. Agissez comme l'officier que vous êtes censé être. Et dans cette mission, je vous conseille uniquement d'avoir des chars lourds.
Qu'est-ce que j'aime démolir cette map. Donc dans cette partie, Parker, j'essaie de faire. Si vous pouviez éliminer l'artillerie d'Ivan, ça nous faciliterait la vie. Je vous emmerde, sale coco. Silence, Bannon. Ah bah il est là. Voilà. Vous avez perdu une unité. Ah, j'ai pas fait attention. Je me suis pris en fait les tirs d'artillerie ennemis sur mon véhicule de réparation. C'est pas encore trop grave. Là, on va faire un coup. Mais bon, un coup de Maca fait quand même très mal. Bon travail, Parker. Ici, Bannon. Si on ne se retire pas sans tarder, nous serons complètement encerclés. Demande permission de battre en retraite. Permission refusée. Tenez votre périmètre. Ah, il y a un bunker encore là. Bien compris. Appui sol en approche. Ça suffira, ça. Donc pour ceux qui prennent en route, nous sommes dans un flashback un peu de ce qui s'est passé avant l'invasion de Seattle, hein. Pour ceux qui s'en rappellent pas. Et précisément dans l'Union soviétique. Hein. Et notre but est là. Vous devez tenir plus longtemps, Parker. Les sapeurs continuent à fouiller le sous-marin. Et notre but est bien évidemment de saboter ces sous-marins et aussi de récupérer des cartes pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils font justement avec ces sous-marins. Pourquoi il y en a un plus grand nombre qui apparaît bizarrement qu'en ce moment. Bien évidemment, tout ce que j'ai détruit là, c'est pour FN. Hein. Bannon à Eagle 6, c'est l'enfer ici. Ils sont trop nombreux et on se fait pilonner par l'artillerie. On doit reculer. Je vous ai dit de tenir à tout prix, Bannon. Ici Delta 6. Mes hommes ont repéré un deuxième groupe de chars qui approche par l'est. Nous pensons qu'ils visent le premier sous-marin. Ok les gars, voilà ce qu'on va faire. Bannon, retournez au premier sous-marin et tenez la position. À vous. Compris mon colonel, on recule. Tout le monde tient sa position et reste à distance des rails. Des bombardiers autant arrivent avec un petit cadeau pour les Popov. Parker, les sapeurs sont en train de mettre en place le C4. Ce sous-marin sera bientôt détruit. Si les bombardiers pourraient se manier... Ce serait sympa. Oh d'accord, les bombardiers... Excellent travail, Parker. Nous avons trouvé des documents et des cartes maritimes intéressantes dans ce sous-marin. Nous essayons de les décoder. Les sapeurs vont faire sauter les charges d'une seconde à l'autre. Restez à couvert. Parker, il faut boucher le trou dans le quartier résidentiel. Je veux que vous preniez l'ancienne position de Bannon et que vous la teniez. Il nous faut gagner encore un peu de temps. Eagle 6 terminé. Donc alors, j'ai déjà pris un peu d'avance pour la suite. Parce que dans certains des bâtiments résidentiels, si je ne me trompe pas, c'est dans les 2A, il y a des infanteries avec bazooka, donc j'ai préféré les éliminer d'avance. Comme là, ça évitera qu'on se rétape. Mais bon, qu'on y est, on va continuer à raser cette map. Ouais, ça fait un temps de réfléchir. Préférez passer par là. Parce que vous serez en position dominante, ce qui vous permettra en fait de canarder les défenses de loin. Ou vous attendez d'avoir trois frappes comme ça et vous exposez les trois positions simultanément. Bien évidemment, moi j'ai pas le temps à perdre pour en attendre trois, donc je vais faire les frappes. Habituel, c'est-à-dire frappe là.
On y va. On va partir. Voilà, nous avons déjà fait une des parties les plus dures. Hein. Ça veut dire on compte sur vous, éliminer Parker. Les bunkers. Tenez jusqu'à la relève. Eagle 6 terminé. Et l'infanterie dans les bâtiments. Bon. Je sais, je démolis tout, mais bon, arrière comme arrière. Blindé lourd au rapport. Blindé, prêt à partir. On y va tous, on répare ça tout de suite. Bien évidemment, maintenant, les Russes, ils bombardent leur bâtiment. Bon, d'accord. Hein. Non, je vous rassure, les bâtiments qui bombardent, c'est pas les bâtiments justement où il y a de l'infanterie. Donc si vous avez un doute... Voilà ce que j'aime avoir, Parker. Continuez à renforcer ces positions. Eagle 6 terminé. Oula, oula, oula. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette mission parce que... On parlait bien évidemment un peu plus, hein. Que dans certaines missions qui sont où il y a vraiment énormément de paroles. Ouais, ce qui est important, c'est vraiment toujours de contrôler les cibles, hein. Ici Bannon, j'ai des chars soviétiques de tous les côtés. Je ne crois pas qu'on pourra tenir. Terminé. Nom d'un chien. Ivan veut vraiment passer. Parker, vous et votre équipe allez au premier sous-marin et soutenez Bannon. Nous ne partons pas tant que ce sous-marin n'est pas détruit. Eagle 6 terminé. Vous avez des pertes. Toujours véhicule de réparation qui saute. J'ai pas de chance avec moi. Hein. Mais évidemment... Ce que cela démontre, ces sous-marins russes, hein, c'est Parker, que vos hommes se retranchent près du sous-marin. Mes hommes tiendront la position avancée. Je crois qu'il se met. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. On est blindé, je suis commandant. Vous êtes blindé, les opérations commencées. Tout le monde est parti. On est commandé, on va repartir, commandant. J'aimerais qu'il bouge en fait, tu vois. Donc voilà. Les sous-marins russes, ça montre en fait exactement ce que vous avez expliqué un peu plus tôt, c'est que toute leur industrie est quand même vraiment penchée sur l'armement lourd. J'arrive à faire bugger des véhicules, ça commence à m'énerver. Ah, regardez, je peux pas bouger. Je vais être obligé de dégommer des unités aériennes parce que je peux pas bouger, parce que je peux pas me déplacer. On va forcer un maximum ça. Voilà. Alors ce qui est important, j'ai dû déjà expliquer je crois dans une des missions, c'est essayer de réparer vos unités alliées. Parce que bien évidemment, elles peuvent toujours vous aider, ils n'ont pas trop l'idée d'utiliser les capacités, mais des unités gradées en plus c'est quand même toujours utile. Hein. Bombe laser armée est prête à être tirée. Compris, ce bunker n'est plus qu'un souvenir. Un mille terminé. On voit. Thank you.
les sous-marins, ce que vous avez commencé à expliquer, démontrent bien en fait que l'industrie soviétique est concentrée sur tout ce qui est industrie gourde. Parce que justement, il n'y a pas un Typhoon ou deux, voilà, quelques sous-marins pour montrer leur puissance. Ça se compte en dizaines de dizaines, en centaines. Je suis en train de réfléchir, je crois que ça se compte en centaines de sous-marins Typhoon qui ont été construits. Donc, énormément de ressources qui ont été utilisées pour la défense militaire, tout simplement. Et ces fins militaires, bien évidemment. Bombe laser armée est prête à être tirée. Compris. Ce bunker est précoce. Ils sont trop nombreux! Nous devons reculer ou nous serons annihilés! Compris, Bannon. Battez en retraite jusqu'à la position de Parker et restez en place. Les sapeurs placent les dernières charges. On va y cramer un peu. Et bien évidemment, il n'y a pas qu'au niveau des sous-marins que ça se voit aussi au niveau de tout ce que l'armement. Hein. Il y a énormément de chars après la chute de l'URSS qui ont été vendus ou qu'on prend encore aujourd'hui. La flotte russe est la plus grande au monde, est parmi la plus grande au monde. Elle est la plus grande au monde, si on considère tous les navires. Mais les trois quarts entre les deux tiers et les trois quarts de la flotte, c'est des navires datant de l'époque de l'URSS, des navires obsolètes qui n'ont pas été entretenus, donc des navires qui sont trop utilisés. Mais ça démontre bien que justement ils s'étaient énormément penchés sur le fait de développer leur armement. Et ça, bien évidemment, va jouer contre eux, parce qu'à la fin, finalement, tout ce qui est nécessité de cette population, ils vont en manquer. Et bien évidemment, comme d'habitude, ça va provoquer la fin de l'URSS, ça va provoquer sa ruine, voilà, guerre des étoiles. Bon, j'ai pas besoin de juste d'expliquer plus ça, ce que vous connaissez, à force de commencer à connaître. Hein. Mais ça permet bien évidemment, que cette mission me permet d'illustrer une des nombreuses facettes de ce qu'ils ont voulu faire. Bon, voilà. Je me suis replié là. Pourquoi? Je précise mes alliés en tant que sous-marin. Les IA ont l'idée de tirer en priorité sur les proches, ou voilà. Et se tirer dessus. Et si vous et comme ça, ça vous permet d'éviter que ce soit vos unités qui soient démontées. Et le char lourd de côté de l'OTAN, je ne sais pas si vous voulez, c'est le Léopard 2 A4. Il faut savoir que pour la petite histoire, le Léopard 2 A4 et le char que... On ne va pas s'en sortir, merde! Si, capitaine, on s'en sortira. Concentrez-vous sur le combat. Et le char peut vraiment du côté de l'OTAN. C'est développé par l'Allemagne. Et c'est vraiment un char niveau ingéniosité, niveau... en tout point de vue, c'est un des meilleurs chars qui a été construit, en fait. Mais évidemment, maintenant, on est des générations suivantes de Léopard, mais c'est toujours considéré comme le meilleur char au monde. Parce qu'il était extrêmement bien conçu. Et il va très bien se vendre, d'ailleurs, dans les pays étrangers. Bah, on va lancer cette mission. C'est exceptionnel, messieurs. Mais j'ai de mauvaises nouvelles. Les cartes maritimes trouvées dans le deuxième sous-marin semblent indiquer qu'une attaque coordonnée est prévue contre plusieurs ports de la côte est des États-Unis. J'ai contacté le grand commandement, et nous rentrons pour leur donner un coup de main. Nous rentrons chez nous, mon colonel ? Nous rentrons. Et vous aurez quelques réponses à me donner quand on y sera, capitaine. Ne croyez pas que j'ai oublié. Mon colonel ! Bien, il est temps de repartir, messieurs. Aujourd'hui, nous avons fait la différence. Eagle 6 terminé. Donc voilà, nous avons encore accompli une nouvelle mission. C'est ainsi que quelques sous-marins ont
quand même parvenu à réussir à quitter le port. Mais ils nous ont détruit la majeure partie. Hein. Mais évidemment, les dégâts infligés handicaperont la marine soviétique quand elle devra accomplir sa mission. Sans vos exploits, nous n'aurons jamais découvert les plans d'invasion de la côte est des États-Unis. Donc, nous avons le ruban d'OTAN étant donné que nous avons fini toutes les missions avec l'OTAN. En tant que commandant des troupes de l'OTAN, nous avons la médaille de la défense militaire et le ruban de la campagne soviétique, étant donné que nous avons fini une mission avec l'OTAN en soviétique, dans l'Union soviétique. Nous avons eu tous les objectifs, bien évidemment, étant donné qu'on a tous les médailles et rubans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la troisième fois que je fais, donc je m'excuse si j'ai pas énormément parlé, mais bon, c'est à force, un peu énervant de faire l'émission. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.